Cette année, l'hiver est froid dans la région, ce qui est très bon pour les cerisiers et plus généralement pour les arbres fruitiers. En hiver, l'arbre est en repos végétatif. Il vit au ralenti pour maintenir ses fonctions vitales en consommant le minimum de ses réserves. Le froid est essentiel aux arbres pour développer des feuilles et des fruits de qualité. Une période de froid suffisamment longue permettra également de limiter les dégâts futurs des insectes ravageurs, puisque dans ces conditions, ils meurent naturellement et sont donc moins nombreux à la nouvelle saison. L'hiver, c'est aussi une période pour tailler les vergers, car les branches nues révèlent les bourgeons et donnent une bonne visibilité. Tailler va permettre de former, d'équilibrer et d'aérer l'arbre. C'est le moment de sélectionner et raccourcir les branches pour inciter les arbres à produire des fruits. En moyenne, on considère que les cerisiers ont besoin de plus de 1200 heures de froid, c'est-à-dire une température inférieure à 7 degrés. Une fois que l'arbre aura cumulé suffisamment de jours de froid, les bourgeons pourront entrer dans une phase de croissance.